Let's see if mines are better. Let's get this on with the first bottle of the night. Boo! Ouais, c'est ça. On va voir le combat. Hein. The first match is a single match. And the competitor from Belgium living in Longueuil. De la Belgique vivant maintenant à Longueuil. Avec un poids de 260 livres. Avec un poids with a weight of 260 pounds. With his manager, Sugar Shane Pinto, Bjorn Aken! C'est un gars qui donne pas sa place, vous allez voir, messieurs. C'est un gars de 260 livres, très agile pour sa grosseur. Originaire de Belgique, donc, il est maintenant à Longueuil, quand même. Oui, il est déménagé à Longueuil. Nationalisé canadien, il est parti maintenant du Canada. C'est un Canadien à part entière. Et c'est avec chance, on peut voir dans le premier combat. On voit qu'il n'y a pas le sourire facile. Ça fait penser à Sugar Shane. Qui chantait YMCA. Sugar Shane. Sugar Shane, this is night two of round one of Lutte Academy 2022. You were here on night one representing another contender, and you lost. Oops. How have you changed your strategy for your team for night two? Adi, 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 Adi! This is no time to talk about ancient history. It's Lutte Academy! It's night two! It's time for celebration! And you're stuck in the past, but it doesn't matter. It really doesn't matter, because it doesn't matter from which angle you look at. It can be at the top of the rafters. It can be over there. It can be sitting down there with my best friend, Jacques Rougeau. You are looking at the undisputed winner of Lutte Academy, bar none. And Yane Harrison, don't you think that I forgot about you, my friend, because in all honesty, you get to see it from the best seat in the house. Underneath the big boot of the dismantler, of the destroyer, of the beast from Belgium, Bjork Haken! C'est lui qui a qualifié ça. Bills, y'all, let's go. Over to you, Claude. Non, c'est ça. C'est ça. From Saint-Sophie, he weighed 250 pounds. C'est qui son meilleur ami? De Saint-Sophie. De Saint-Sophie, pesant 200 kg. Un bel athlète. Please welcome, accueillons Yane Harrison. C'est un bel athlète, allez voir. Ouais. C'est un gars qui est grand, c'est un gars qui est très agile pour sa grandeur. Bien. Mais il semble être beaucoup plus petit, là. C'est clairement un spécimen physique. Mais comment est-ce que tu sens quand tu regardes dans le ring et tu vois que Shane Pinto a maintenant recruté Bjorg? Écoute, quand j'ai appris que j'allais me battre contre Bjorg, tout de suite j'ai cru. Ça aurait été un gros défi. Alors, quand j'ai su que Shane Pinto allait tout faire pour m'empêcher de passer en deuxième ronde, le défi en est devenu un énorme. Sauf que quand tu t'appelles Yane Harrison, les défis, tu passes dessus à coups de botte d'en face! Yane Harrison qui a quand même un certain vocabulaire, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Mais il est grand, hein? Tu vois pas comment c'est grand mais comparé à Bjorn. Définitivement. Définitivement plus âgé. Alors ça va commencer. J'espère qu'on va rester honnête, atteindre les deux côtés. Si l'arbitre fait sa job comme du monde. J'ai hâte de voir ce combat-là, moi. Tu sais, il faut se rappeler tout le monde qu'il y en a juste un des deux qui passe en deuxième ronde. Fait que c'est un gros, gros mandat pour chacun des deux de ne pas faire d'erreur, de bien paraître. Et c'est parti. C'est parti. Épreuve de force, là, au début. C'est vrai qu'il est grand. Il va jouer avec sa grandeur, Anderson. Il y a beaucoup de levier.
Prise de jambe ici, retournement. Il est vite, okay. il est vite. C'est rapide, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. On va voir si la Belgique... Pion, qui n'est pas très heureux. Non, ils viennent de se faire jouer assez vite d'un pâte. Il a été déjoué, en effet. Hop, non, dur à soulever quand même. Lever. On parle de 150 presque kilos. Oh, ça frappe. Dans les câbles. Retournement, voilà. Un peu déhanchement. Une souplesse. Ouch. Un bon coup de genou. Oh, belle souplesse arrière. Belle souplesse arrière. On voit qu'il est agile. Hein? On voit qu'il est agile. C'est plus agile que moi, ce genre. Oh, c'est arrière. Beau salto arrière. Oh. Et Bjorn qui sort de l'arène, là. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Il va Moi, je suis impressionné. Je pense que là, Shane Pinto vient de réaliser qu'il n'est pas avec juste un gars qui va faire une faveur à son homme. Là. Comme on dit chez nous, un jambon. Un jobber, qu'on appelle. You know, I think that people don't realize that Shane Harrison is very acrobatic. He reminds me of Edward Carpentier a little bit. I see that. Such an athlete. Oh, see the interference of the manager? Manager, yeah. What is he doing? Big boot. Kick out. The manager can't do that. Not supposed to. The referee, if he sees it, he should disqualify him. We got this. T'as des bizarres d'amis, mon genre, quand il agisse pas très bien dans le ring. C'est pas mon ring. Is he still your best friend? Il est fait fort. His manager. I'm talking about the manager. Yeah, he's not my friend. He's not your friend? No, he's not my That's friend. That's not what he he's said. He's a self-proclaimed friend. That's not what he said. Yeah, he self-proclaimed himself as a friend. Ah, il y a de la force, Bia. Très fort. C'est clair. Wow. Un, deux, presque trois. Puis là, on sent que... Il était très affaibli. Puis vous allez voir que quand les gars comme Bjork tombent sur un matelas et font une pause de lutte, il va avoir un rebound de la reine parce qu'il est pesant. Puis c'est ça, des fois, qui peut venir assommer le gars en arrière de la tête. C'est le rebound de la reine. Check bien ça. Y avait-tu le droit d'y arracher la face demain? Pas sûr. Wayne qui est en difficulté, là. Il y a une Harrison qui va. Ouais, l'arbitre devrait faire plus sa job un petit peu. Là. Il devrait être plus agressif, l'arbitre. Il y a beaucoup à l'enjeu, là. T'sais, on parle de 5000 pièces, on parle de 3 mots Nightmare Factory. Oh, le coin, le coin. Oh. Est-ce que les coups illégaux peuvent nuire, par exemple, pour les juges, le jugement? Mais je vais être 20 francs avec toi, ça va être à nous autres de juger ça. Va il est très confiant, par exemple. Oh, la savate. Il avait télégraphié son coup. Il l'a vu venir de loin. Je pense que Yane Harrison va tout donner ce qu'il peut. Là. Ça y est, c'est là. Oh! Est-ce que tu as vu le rebound? Est-ce que tu disais tantôt, Jacques, le rebound? Oh, il est presque assommé. Ouais. Un coup de deux ici. Tu vois, le gérant, attends, Shane Pinto, a attiré l'attention de l'arbitre, puis ça a joué contre son homme, parce que son homme était après piné, Yane Harrison. Okay. Fait que ça lui a donné une seconde de plus pour se reprendre son souffle à Yane Harrison. Ça, c'est définitivement des coups illégaux. Officiellement, il y a quoi, 5 secondes pour arrêter de faire ce qu'il y a en France? Il y a possiblement une disqualification possible là-dessus. Ce que je suis certain que les fans aimeraient bien voir. Mais c'est très, très, très humiliant parce qu'il est en train de s'essuyer les pieds sur le tapis et envoyer la poussière sur l'autre lutteur. Chose qu'on ne devrait pas faire si on est politically correct. Des coups qui portent, c'est des coups qui portent. Moi, je me souviens. Ça, c'est une prise d'étouffement. Là. Il appelait c'est pas ça la prise du sommeil quand c'est on la... était oui. plus jeune. C'est... Il appelle ça un collier arrière. Puis okay. Tant que c'est pas dans la gorge, c'est légal. Okay. Mais ça va être à l'arbitre d'aller checker avec sa main. The referee's got to check to make sure that there's breathing space
because it's kind of a... Is it legal? It's a chin lock. Yes, it is legal, as long as you're not choking your opponent. But you can see now Yane is hitting, but with a lot less velocity. He's a little weak now, Yane. Non, on peut dire rien n'est dans les câbles. C'est une belle expression appropriée, ça, je te dirais. Merci, Jacques, dans toi. Oh boy, ça, ça me garde pas bien. Oh, quelle botte! Wow. Quelle botte dans le visage! Oh, ça peut être la fin! Non, mais il est magané, Ian Harrison. On voit encore là, la semelle de la botte dans le visage de Ian. Ian Harrison, il va falloir qu'il reprenne son deuxième souffle. Il tire de la patte en ce moment. Je vois son cardio. Son cardio en prend un coup un peu à Ian Harrison. C'est ton cardiologue qui est ici dans la salle, Jacques, tu pourrais le dire. C'est ça. Reda, il est là. On va te saluer. Mais assez impressionnant quand même, comme je vous dis. Bjorg a 262 livres. Mais tu vois, c'est un autre coup télégraphié. C'est bon rien, ça. Un coup télégraphié, c'est bon rien dans l'eau. Et je pense que c'est là que... Et voilà ce que je disais, c'est là que tout a changé. Parce qu'il a télégraphié son geste. C'est des coups, et c'est une combinaison de coups. C'est des et Yane en profite, là. Oh, un bon coup dans les côtes. Wow. Un bon coup dans les côtes. Le troisième corps. Il monte ça à troisième, non? Un beau flip, un genre de 360 mélangé. L'arbitre qui n'est pas là, là. L'arbitre qui n'est pas là, là, Jacques. Là, là il s'ajoute con... Là, il a bien fait, là, lui, Shane Pinto. Il a attiré l'attention. Oui. OK, il va-t-il frapper? Il vient de le frapper. Ça pourrait être une disqualification. Attention, là. C'est dur de checker deux gars en même temps. C'est très dur de checker deux gars. Pendant qu'il porte l'attention au gérant, il ne se concentre pas sur son adversaire. Oh! Ça peut être un coup très dur dans le cardio. C'est fini, ça. C'est fini. On ne juge pas par le gagnant le pendant du combat, mais par le charisme et par l'habilité. Mais on doit dire honnêtement que ça donne beaucoup de votes à Bjorg en ce moment d'être debout dans l'arène. En tout cas, je vous assure que ça lui a donné le bien. Malheureusement, je suis obligé de penser la même chose que toi. Je pense que Bjorg, il va avoir mon vote, je pense. On est au moins de trois. Bon, tu comprends qu'il y a au moins de trois. Il y a une aide de son gérant. Ça fait partie, j'imagine, de cette victoire obtenue là, à la dernière minute. Fait que là, il faut vous rappeler qu'on vote à 40% nous les juges, mais à 60% c'est le public qui vote. Alors Ian Harrison n'est pas éliminé encore. Parce que si le public vote pour Ian Harrison, c'est ça. Il pourrait rester dans la course. Fait que ça va être quand on va compiler tous les votes, mais pour l'instant, les juges, nous, on est d'accord. Pendant que Ian Harrison souffre encore dans la reine, Young a sorti son gérant sur son épaule. Si on va voir la carte de vote à droite pour nous.